Eh bien, salut les gens, c'est Calibo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui, les amis, rappelez-vous, la dernière fois, on voulait se diriger vers la petite tour juste là-bas. Voilà, on avait décidé de la faire. On avait terminé donc la créature divine Varuta. On avait, entre autres... Donc battu l'ombre d'eau de Ganon, qui était le boss de la créature divine, et nous avions obtenu la lance d'écaille radieuse. Et ensuite, du coup, j'avais décidé qu'on fasse pas directement une autre créature divine, mais qu'avant ça, on fasse une tour. Également, étant donné qu'on n'avait pas pu faire les amiibo la dernière fois, je vous avais dit qu'on les fera en début d'épisode aujourd'hui, donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Pour aujourd'hui, on a toutes les Zelda. Donc Zelda The Wind Waker, Zelda Breath of the Wild, Zelda Twilight Princess et Shake. Parce que Shake, tout le monde sait que c'est Zelda. Après, on a les Link de Breath of the Wild, donc Link et Link à cheval. On aura Ganondorf et le Gardien. Donc, j'en prends un au hasard. Allez, c'est Shake. Non, avec Cinetis, ça marchera moins bien. Alors, Shake, tu veux bien fonctionner? Oui. Attendez, je sais, ça vous fait des trucs bizarres à l'écran. Je lance mon chrono, voilà. Ok, donc Shake qui nous donne des champignons. Merci beaucoup Shake. Et qui nous donne... Ça, on fait une explosive, on prend, bien sûr. On va prendre Zelda The Wind Waker. Si elle veut bien fonctionner. Et ça encore, c'est pas gagné, attendez. C'est bon, voilà, ça marche, ok. Violette Tempo, je prends. Bon, il y a une herbe d'héroïque qui manque, mais on ira la chercher après. Ambre Brute, je prends aussi. Zelda TP, qui apparemment a une exclu. Ah, il y a une carotte, regarde. Une petite carotte. Il y a une exclu apparemment sur un arc, j'en sais pas plus. Et on a un rubis brut, cool. Zelda Breath of the Wild, qui n'a... Ah, il y a encore une carte ici. Zelda de Breath of the Wild, qui n'a aucune exclue, celle-ci. En gros, les exclus, c'est comme la tenue du temps, tu vois. Bon. Zelda de Breath of the Wild, tu veux bien fonctionner? Ah, la galère avec les amiibo, je vous jure. Attends. Voilà, c'est bon, ça marche. Princesse de la Sérénité. Ok. Carotte Vigueur. Je prends également... Et on a dans le coffre, on a... Topaz Brut, je prends également. On va prendre Link à cheval, qui me semble à des exclus. Je sais pas, peut-être que... Si, ouais, il y a une exclue, on va voir. 5 flèches de glace, donc je ne pense pas que ce soit l'exclu. Ça étonnerait. L'exclusivité, bien sûr, pas l'exclusion. Link archéonique. Enfin, Link qui balance, c'est un objet qui s'appelle flèche archéonique, on le sait. Enfin, genre, je le sais, parce que je me suis un petit peu renseigné. Ne vous inquiétez pas, pas plus que ça. Mais la flèche qui tire, c'est une flèche archéonique. C'est une flèche électrique. C'est bien. On n'en a plus besoin, parce qu'on a déjà fait Varuta, mais on ne sait jamais. Ganondorf. Il me semble qu'il y a également une exclue. Pour ça, on va prendre une grosse épée. Allez, ça. Des rubis, des flèches, cool. Et encore des rubis. Allez, pourquoi pas. On a une gemme Nox. Gemme Nox, c'est pas le truc que le Zora nous avait demandé. Il me semble qu'on a une quête avec un Zora qui est là. C'est là. On a une quête avec... Ah, oh, on peut regarder... Oh! Ok! Ok. On peut revoir les souvenirs, c'est cool. Donc on sera pas obligé d'aller chercher dans les anciens records tous les trucs ex. Je crois que c'est en rapport avec le DLC que j'avais acheté. Voilà, je me suis dit comme ça, on a tout. Le maître du bonheur. Non, c'est dans le village. Voilà, collecte de Gemnox. Il nous demande 10 Gemnox. Voilà. Tout ça pour ça, mais au moins on aura fait une découverte intéressante.
Alors, l'amiibo du gardien. Oh. Attendez. Ah, il marche pas non plus. On réessaye. L'amiibo du gardien qui n'a rien exclu, mais qui donne des trucs assez rares, il me semble. Avec des petites caisses en fer, hein, si jamais on en a besoin. On saura quel amiibo utiliser. Donc c'est le dernier amiibo, j'espère qu'il va nous donner un truc cool. Il est où son chest? Il est là. Et il nous donne un cœur antique. Eh bien écoutez, je prends... Oula, il y a encore cette histoire de lune rouge, ça me fait un petit peu flipper. On dirait trop la lune de Majora's Mask. Attendez, non, vous croyez quand même pas qu'ils ont mis... Après, c'est peut-être juste un easter egg, hein. Genre la lune, elle est rouge, je sais pas, une fois tous les 50 jours pour que t'aies la lune de Majora's Mask. Genre en mode, ouais, elle est encore là. Donc, on a terminé les amiibo. On va par contre prendre une épée un peu plus... Ouais, la barbe de chevalier, ça me semble bon. Bref, écoutez, on va continuer à se diriger vers la tour. Par contre, ah là 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 là. L'endurance qui se vide lentement. Ça fait déjà 5 minutes, hein. 5 minutes, on a juste fait des amiibo. Yes. Ah, mais ici, on a un petit renard. Si on pouvait... Cool, venez-en. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je ne fais que ça dans le jeu. Je ne tuerai pas des renards dans la réalité. Regardez. Oula, la musique. Bon, c'est en lien avec la lune chelou, là. C'est normal, on le sait. Voilà. Oh, mobile. Merci. Oula, attendez, c'est quoi ça? C'est la résurrection de Ganon. Non, je sais pas. Os de Moblin, ok. La lune de sang, elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. J'ai raté un truc. On n'a jamais parlé de la lune de sang. Oh merde, il y a un gardien. Non, je... Oh, merci Mipha, merci Mipha. Je te protégerai. Merci Mipha. Ah, on a un gardien. Oh là là là. Attendez, juste. Il y a un autre gardien qui nous tire dessus. Oula, il y a plein de gardiens ici. Bref. Parlant de ce truc, elle nous parle d'une lune de sang, mais j'ai jamais vu de lune de sang, moi. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Qu'on soit clair, je ne sais absolument pas ce que c'est. Lune de sang. Ouais, on a manqué un truc, certainement. Elle brille à nouveau. Ah oui, parce qu'elle avait déjà brillé. Rappelez-vous quand on s'était fait Varuta. On n'avait pas eu de cinématique ni rien. Si vous avez des choses qui pourraient m'éclaircir à ce sujet, je suis preneur, bien entendu. Oh là 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 là. Et les gardiens de partie, c'est horrible. Attends, Link, monte là-dessus. Monte là-dessus. Attends, viens, on va. Peut-être qu'il est comme l'ombre. Genre si on lui tire dans l'œil. Oui. On va essayer de le tuer. En lui tirant dans l'œil. Ça me paraît un bon dilemme. Enfin, un bon dilemme. Une bonne façon de s'y prendre. Vas-y, on peut pas lui péter ses pattes. Non, absolument pas. Bon, peut-être que je... On va essayer de prendre... Oh, hache de gardien. Oh, ça lui pète ses pattes. Oh, c'est génial. Par contre, non, tu vas pas commencer à me tirer dessus, toi. Oui, allez, ça va, on se débrouille, les gens. On se débrouille. Allez, bon, elle va bientôt se péter. Faut-il au moins qu'elle arrive à casser. Parce que s'il n'y a que les haches de gardien qui pètent les pieds des gardiens. Wow, on a eu chaud. Par contre, toi, tu ne tires pas dessus. Hein. Bon, on a plus notre hache. Viens, on prend le glaive. Il y a des particules bizarres, ça veut dire que c'est ultra efficace contre eux.
qui s'est cassé. Attendez, on est en train de sortir un gardien. Un mob qui a. Bon. Ok, notre armure, elle est pas top. Attendez juste, on va se mettre comme ça. Avec ce chapeau, parce que je peux pas le tuer. Il a que 57 vies. On peut le tuer, les gens, on peut le tuer. Et attends, prends ça. Oui! Oh! On a buté un gardien, les gens. On a buté un gardien avec des pieds, donc. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a plus de vie. Par contre, on avait un autre derrière qui a essayé de nous tuer tout à l'heure. Voilà, regardez, il est juste ici. Coucou! On va voir s'il fait pour qu'il nous entende. Et non! Non, là. C'était moins une. C'était chaud pour nous là. Regardez, on lui fait. On lui descend encore plus sa barre de vie. Oui, il a que 500 vies l'autre, mais on avait 1500. Tu me respectes. Allez, on va péter toutes les armes sur lui, mais on s'en fout. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut. Si, voilà, lance des gardiens. De toute façon, il fait mal. Allez, vas-y, Link. Le. Ça va pas faire encore une fois. Oui! Elle va rebrouiller, on s'en fout! Mais bon, on prend quand même, hein, parce que. On a de la place, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Ça nous permet d'avoir plein de matériaux antiques. Et Prua, rappelez-vous, nous avait demandé d'en rapporter. On va pas utiliser ça contre lui, hein. Non, attends. C'est une chauve-souris. Voilà, il a une seule vie, la chauve-souris. Donc voilà, c'est amplement suffisant. Œil de chauve-souris, cool. Rappelez-vous, on nous avait dit que c'était rare. Donc moi, ça me fait plaisir. Toi, tu te casses. Parce qu'on nous a vus là derrière. Ah, ça commence à devenir intéressant tout ça. Un de soldats. Si on peut prendre, on prend, mais si on peut pas. Tour de la plaine. De la plaine d'Hyrule, bien sûr. On se doute que c'est ça, c'est pas la plaine de Termina. Parce qu'on n'est pas dans Termina. Je peux pas lui caser une petite flèche. Hop! Allez! Hop, une petite flèche dans l'œil. Est-ce qu'on n'a pas un arc un peu plus puissant? Si, voilà, ça. Ça fait mal, hein? Ça fait mal! Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait mal! Vas-y. Il a. Pardon? Attends. Screenshot. Et hop, on prend ça et on le tape. Oh que oui les amis. On peut tuer des gardiens maintenant. C'est trop bien. On peut tuer des gardiens, c'est cool. Je suis content, je suis heureux. Je sais pas pourquoi je l'ouvre. Mais on s'en fout. Allez, on va pouvoir se faire la tour tranquillement. Parce qu'il n'y a plus de. Il y a des gros chuchus par contre. Et ils ont pas mal de vie ceux-là. Par contre, ils infligent pas du tout de dégâts. C'est. Attends, on peut prendre ça. Ça peut le faire mal. Ouais. En plus, ça tape vite, donc. C'est bon. C'est bien, on va pouvoir s'ouvrir la tour. Juste, je me demande. Est-ce que c'est pas la tour qui ouvre le monde du château d'Hyrule? Parce qu'à ce moment-là, ça expliquerait la raison pour laquelle il y a des gardiens. Ah oui, avec cette musique, du coup, la musique de la tour. Que je kiffe. Ouais, je sais, je chante comme une merde, donc je vais vous laisser la musique normale. Vous savez quoi, j'ai même envie de mute mon micro, voilà. Je vais arrêter de parler. Et on va monter juste avec les sons du jeu, ok? Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette musique, n'est-ce pas ?
Donc, j'ai juste voulu réactiver mon micro parce qu'il y a la machine à gouttes, n'est-ce pas? Et la machine à gouttes, on aime bien. On aime bien, nous, la machine à gouttes. 13 minutes de mon côté, vous, ça fait 14 parce qu'il y a le générique en plus. 13 minutes. Bon, ça va, on avance bien. Au moins, on a fait la tour. Bon, on va pas aller au château, je vous le dis tout de suite, on va pas aller au château aujourd'hui. Hein, ah, la goutte. Donc oui, on va pas aller au château aujourd'hui. Mais vous savez quoi, je propose qu'on parle un petit peu de ce que j'ai prévu, du coup, de faire sur cette série. Tout d'abord, donc il y aura des lives. Déjà, faut-il que je trouve comment faire des lives. Ça va être assez compliqué, mais une fois que j'aurai trouvé comment en faire, bah on les fera, vous inquiétez pas. Oh, on a même pas fait le sanctuaire qu'on avait ouvert la dernière fois. Vous savez, le sanctuaire sur lequel on a commencé l'épisode. Bref, du coup, oui. Donc oui, on fera des lives. Des lives dans lesquels on fera de la recherche de sanctuaires, des korogus également, mais ça ce sera plus tard, hein, parce que les korogus, là, actuellement, on s'en fout, on n'a même pas retrouvé Noya. On fera également une série en mode expert. Série en mode expert que je commencerai prochainement, je sais pas quand encore. Après, la question pour le mode expert, c'est est-ce qu'on en fait vraiment une nouvelle série? Donc avec épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. Ou est-ce qu'on le met à la suite? Imaginons que je commence le mode expert à partir de l'épisode 45. À ce moment-là, du coup, ce serait mode expert épisode 46. Mais en fait, ce serait l'épisode 1. C'est-à-dire qu'on commencerait le mode expert, vraiment. Enfin, c'est comme vous préférez. Dites-moi ça dans les commentaires parce que j'ai juste la flemme de mettre un sondage. En plus, personne ne répond jamais au sondage. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Après, bien sûr, ce qu'on fera, c'est que le mode expert, je me suis un petit peu renseigné. En fait, c'est tout simplement un... C'est le jeu. Donc ça t'ouvre un deuxième fichier de sauvegarde. Mais c'est plus difficile. Les mobs sont un petit peu plus puissants, tout ça. De toute évidence, on ne fera pas le château d'Hyrule et Ganon. Tant qu'on ne l'aura pas fait dans le mode normal. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, oui, également, hors de la série de Breath of the Wild, j'ai prévu de faire d'autres let's play. Il y aura certainement des trucs sur PlayStation 4. J'ai pas mal de jeux, j'ai Spider-Man, qu'on pourrait faire un de ces quatre. J'ai Spyro, les remastered, donc il y aura du coup 3 saisons. En sachant que la saison 1, je l'avais déjà vue. J'ai jamais joué, mais je l'ai déjà vue. Pas en entier, mais je l'ai déjà vue. On pourra faire... Il y a un jeu qui... Ouais. On pourra faire également du Tomb Raider sur ma Xbox et sur ma PS4. Enfin, on a plusieurs Tomb Raider. On pourra les faire également. J'ai également un jeu qui s'appelle Unravel. Je sais qu'il y en a deux. Il y a le premier jeu, il y a le deuxième. Le deuxième qui se joue à deux joueurs. Donc, vous savez très bien qui on invitera. Pour le let's play à deux joueurs, hein. On le fera avec un 2-3 chat, bien entendu. On fera quoi d'autre? Bah bien sûr, il y a tout ce qui est Pokémon. Mais ça, Pokémon, j'ai envie de dire, bon, bouclier, vous inquiétez pas, on continuera dessus. Mais pour l'instant, je suis plus sur Zelda. On retournera sur Pokémon Let's Go. On fera Breath of the Wild 2, bien entendu, qui est censé sortir... Alors, de base, il était censé sortir fin 2020. Apparemment, il aurait été retardé. Et également, les lives seront l'occasion de parler de ce jeu. Mais encore une fois, je ne peux pas faire de live actuellement. Quel jeu je pourrais faire? Je sais pas si vous avez des suppositions de jeu que je pourrais jouer. Parce que là, je suis vraiment à fond dans les let's play. Oui, également, je pourrais jouer sur ma Wii. Donc, on fera du Mario Bros. Wii. Avec un 2-3 chat, bien entendu. Je ferai en sorte d'acheter The Legend of Zelda Skyward Sword, qui est également sur la Wii. On y jouera également. J'aurais bien aimé faire faire Ocarina of Time et Majora's Mask sur ma DS. Le seul problème, c'est que je ne peux pas record ma DS. Et c'est un gros problème. Donc, soit je la filme, avec des trucs, astuces, tout ça. Soit je le fais pas. Mais c'est vraiment dommage. Parce que j'aimerais le faire. Quel autre jeu on a? Quel autre jeu on a? Quel autre jeu on a?
Je ferai des Mario Party. Des Mario Party sur la Switch. J'inviterai à chaque fois 3 potes. Voilà, j'inviterai 3 potes. Comme ça, on y jouera toujours à 4. Ça changera des let's play, vu que ce sera du gaming, mais pas des let's play. On a Link qui est en train de s'étirer. Enfin, on fera plein de trucs, vous savez quoi. Je ferai au pire une vidéo dans laquelle je dirai mes projets, tout ça, le point sur la chaîne, comme beaucoup de youtubeurs font. D'ailleurs, je me demande, vu qu'on est proche du château d'Hyrule, est-ce qu'on peut pas... Ouais, là, on est de retour sur le jeu, hein, vraiment. Est-ce qu'on peut pas se faire ça, qui est apparemment proche du château, et qui serait donc le premier souvenir dans la chronologie, étant donné que c'est le premier, donc, dans l'ordre d'album. Je sais pas. Il y a des arbres, donc je serais tenté de dire par là. Ici, non, il y a trop peu d'arbres. On voit qu'il y a des aménagements en pierre. Est-ce qu'il y a des aménagements en pierre ici? Ou peut-être un peu plus loin? Parce qu'on peut regarder avec la carte. Ouais, ici. C'est clairement ici. Bon, écoutez, on va essayer d'y aller. Ça nous permettra de nous faire un souvenir. Donc, c'est la balise bleue. Voilà. On se dirige tranquillement. J'espère qu'il n'y a pas trop de gardiens ici. J'espère qu'il n'y a pas trop de gardiens. Sinon, ça va être... Sinon, ça va être chaud. On s'en est déjà buté un, mais voilà, c'est difficile. Ils sont durs, les gardiens, en plus. À mon avis, c'est les mobs les plus puissants du jeu. Après, il y a aussi les Linels, vous me direz. Les Litorok, ces fameux boss qu'on s'était fait. Qu'on s'était fait dans l'épisode 3. N'est-ce pas? On retournera le combattre un de ces quatre, vous inquiétez pas. C'est prévu, vraiment. Oui, donc, à propos des let's play, tout ça, je ferai très certainement une liste. Oui, là, on revient sur les let's play. Pendant ce temps-là, je joue un petit peu, mais... Voilà, on parle des let's play, de ce que j'ai prévu de faire sur la chaîne. À mon avis, je ferai une liste sur mon PC, avec les ordres de priorité. Quel let's play on fait en premier? Quel let's play on fait en deuxième? Bref, donc, bien sûr, Breath of the Wild, priorité absolue. Tant qu'on n'a pas terminé au moins l'histoire principale. Breath of the Wild 2, donc ce sera dans les prévisions. Mais vous inquiétez pas, j'ai prévu de m'organiser un petit peu plus, voilà, pour ma chaîne. Parce que je... Il y a également le Roblox. Bon, Roblox, c'est un petit peu plus pour boucher des trous. Je dis ça comme ça, mais c'est vrai, c'est... Quand je sais pas quoi faire... Voilà, on fait tomber les pommes. Quand je sais pas quoi faire, on bouche un petit peu les trous. Pour que je puisse sortir à peu près une vidéo par jour. Voilà, c'est mon gros défi. Pas sûr que j'arrive à le faire, mais... Au moins, j'essaye, écoutez. Et après, on voit... Oula, j'ai cru voir des mouvements. Non, ça va, il n'y a pas de gardien. J'ai eu peur. Ici, petit renard. Hop, on le tue. Pour récupérer de la venaison. Moi, franchement, ça va, j'ai... Ces vidéos, vous voyez, un petit peu blabla, voilà, je vous parle du point sur la chaîne, de ce qu'on va faire sur la chaîne, tout ça. C'est sympa aussi, non? Enfin, je sais pas, je trouve que ça change un petit peu du « je fais des créatures divines ». Par contre, on est vachement proche du château. Ça change du rush quête principal, tout ça. Mais c'est bien aussi. Oula, gardien. Gardien, danger gardien. On va se planquer. Et regardez, ça m'a l'air d'être ça. Donc écoutez, on va le faire. Le château d'Hyrule, quand est-ce qu'on le fera? Très bonne question. On le fera très certainement. Je vais enlever la balise. Oh, regardez, c'est intéressant. Les gardiens sont... Le truc, il nous dit où est-ce qu'il y a des gardiens. Bon, allez, hop, active le souvenir. Hop, voilà. C'est bon. Donc, on va essayer de fuir le gardien, à mon avis. Après le souvenir, on va se téléporter. A priori, c'est le premier souvenir, donc on va pouvoir comprendre des choses. Oui, donc c'est bien celui-là. C'est bien le premier. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais vous laisser, bien sûr, avec la cinématique. Espérons que le souvenir soit grandiose. Ce serait vachement bien. Écoutez, je vous laisse avec le souvenir. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours,
Que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté, venue de... C'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Parlons de ce souvenir. Par contre, on va ouvrir quand même l'inventaire. Après, on pensera à se téléporter, vous inquiétez pas. Mais d'abord, parlons de ce souvenir. Et les bruits que vous entendez, c'est pas des pets, c'est mon canapé. Parlons de ce souvenir. Déjà, on a Zelda. Zelda, il est en train de faire cette fameuse cérémonie de nomination en tant que chevalier de servant. Mais on dirait qu'elle est pas trop emballée, hein. Après, il y a le Goron qui fait remarquer que c'est lugubre. On est bien d'accord. On voit à leur tête, de toute façon, ils sont tous un peu en mode « ok ». Il y a le Piaf. Alors, le Piaf, il m'a l'air assez... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas trop, il... Enfin, voilà, on dirait qu'il est jaloux un petit peu de Link. On voit déjà, dans l'autre souvenir, quand il y a le Goron qui dit « toi, tu vas au château d'Hyrule et tu vas nous buter Ganon », il y a le Piaf qui fait un truc un peu en mode fou. En mode ouais, c'est ça que toujours tout ça. Donc il est un petit peu jaloux. Un peu arrogant peut-être aussi. Voilà, je cherchais le mot. On va en parler après. Il y a du coup la Zora, Mipha. Voilà, elle est silencieuse, elle s'en fout. Et Link, lui, il est à genoux, il attend. C'est genre comme ça pendant tout le souvenir. Et après, il y a la Gerudo qui est un petit peu plus avec du recul, de la sagesse, tout ça. Elle dit « ah mais oui, mais c'est dur et tout. » Elle se rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Ouais. Donc, ça nous fait un petit peu le portrait des prodiges. Donc, voilà. En tout cas, ce souvenir était vachement beau quand même. On voit un petit peu que Zelda, elle hésite. Donc, ce qui nous explique également le fameux souvenir qui était... Non. Qui est juste là, voilà, celui-là. Oui, un peu en mode, toi, est-ce que tu arrives à manier ton épée convenablement? Je n'en suis pas sûr, etc. Donc, il y a encore celui-là à faire. Il y a celui-là. Celui-là, bref, il y en a plein. Oula, non. On va faire comme ça. Et écoutez, on va se téléporter. Est-ce qu'on fait encore un souvenir? Oui, ça me fait penser, il y a un pote à moi qui m'a dit que au village de Cocorico... C'était là qu'on pouvait tomber sur la fameuse grande fée dont le peintre nous avait parlé. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. La grande fée, il m'a pas dit qu'est-ce qu'elle faisait. Il m'a dit, ouais, je vais pas te spoiler. Également, il m'a dit qu'au village des limites, on peut acheter l'armure la plus puissante du jeu. On m'a dit, si tu gardes du coup ta tunique de prodige et que tu mets le reste de cette armure, t'as vraiment l'armure la plus puissante du jeu. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ça. Oh, c'est déjà presque la fin de l'épisode. Dommage. Mais bon, vous inquiétez pas, moi de mon côté, je ferai d'autres tournages. Hein. Donc j'assure un maximum de vidéos. Pas sûr qu'il y en ait le jour où je tourne. Cool. Je voulais genre tuer ce truc pour récupérer de la viande. Et à la place, il nous donne des rubis. Bah écoutez, je prends quand même. Hein. C'est bien les rubis. Ah, il est encore là. Regardez, hop. C'est parfait. Bon là, il a été un petit peu moins généreux. Si on arrive à le taper avec notre épée, vous croyez que ça marche? Non, c'est... On est trop loin avec celle-là. Attendez, on va prendre ça. Ouais, c'est une épée à une main. Arrête de courir, toi. Non, il s'est téléporté. Oh, regardez, il y a des fées. Hop. Des fées. Non. Je veux récupérer une fée. F.
fait, voilà. Elle régénère 5 cœurs. Enfin, vous voyez les 5 cœurs. Et du coup, elle, comme toutes les fées, elle sort de notre sacoche. Donc on n'a plus besoin de les attraper dans un pot au moins. Et voilà, elle sort pour nous régénérer quand on est mort. Un petit peu comme Mipha. Mais Mipha, elle nous régénère un petit peu plus. Je vais essayer de faire... Bon, celle-là, elle s'est barrée. On va faire cette fée-là. Allez, hop. Non. Non, bon, on l'a raté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Examinez. Ok. On va voir qu'est-ce que ça donne. Homme, jeune homme, écoute ma requête, je t'écoute. Je suis la grande fée Kotra. Ah, je suis la grande fée Kotra. Je préfère. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 100 rubis devraient suffire. Dès que j'aurai recouvré mes forces, je suis sûr que je pourrais être utile. Bah, c'est bon, on a largement les rubis. Avant, il n'y avait pas besoin de donner des rubis pour trouver une grande fée. Il me semble qu'il n'y avait rien à faire. Notamment sur Ocarina of Time et Majora's Mask. C'est presque les seuls jeux que j'ai fait, en fait. J'ai également fait... Comment il s'appelle ? A Link Between Worlds. Enfin, j'ai fait ceux sur 3DS. Et je fais Breath of the Wild. Mais sinon, je n'ai pas fait d'autres. Mais quand même, j'adore Zelda, vous inquiétez pas. Je parle du jeu, pas du personnage. Le personnage est bien aussi, mais... on est bien d'accord que Zelda, c'est la princesse. Que c'est agréable. Cela faisait longtemps que je n'avais pas respiré l'air extérieur. Tu m'as été d'un grand secours. Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Bien, à moi de te venir en aide. Si tu as les matériaux nécessaires, je peux améliorer tes vêtements. Veux-tu qu'on essaye? Améliorer nos vêtements? Je peux rendre tes vêtements un peu résistants. Elle peut nous améliorer nos... On peut améliorer la tenue. Ça va de 3 à 5. Il nous faut de l'ambre brute et des fragments d'étoiles. Bah, le fragment d'étoiles, je crois qu'on l'avait eu avec Ganondorf. Donc écoute, merci Ganondorf. Hop, on peut passer parce qu'il y a une cinématique, mais on s'en fout. Elle nous souffle dessus. Tunique du temps. Elle est améliorée, elle est au même level que la tunique de prodige. Juste, j'aimerais voir... Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour renforcer ça? Princesse de la sérénité, ok. On peut améliorer par contre la capuchilienne. On va le faire. On peut également faire l'armure Zora. Vous inquiétez pas, on le fera aussi. Et on se laissera juste après cette séquence d'amélioration. Capuchilienne. Elle est de 3 à 5, pareil. Donc, le pantalon ilien et après on se fait les Zora. Bien, c'est parti. Elle nous souffle dessus, ok. C'est tout? Bon, c'est bien quand même, hein. Et donc, on a notre pantalon ilien qui est augmenté. C'est cool. Vas-y, améliore-moi encore. Voilà, on va mettre ça. Ça utilise des cornes de lézale. Allez, hop, on skip la cinématique parce qu'on s'en fout un peu. Armure Zora, vitesse de nage plus. Est-ce que ça nous augmente encore la vitesse de nage ou pas? Je sais pas. Si c'est le cas, c'est cool. Clairement, c'est cool. Bien, c'est parti. Nanananana. Voilà. Casque Zora. Il est encore augmenté. Je voulais augmenter d'autres de tes vêtements, mais on dirait que c'est pas possible. Bien, à plus. Ouais, c'est ça. Allez, salut. Au revoir. Juste, est-ce qu'on... On va se mettre comme ça. Hein. On a déjà notre pantalon, il y a. Voilà, comme ça, on a 15 de défense. C'est cool. On va voir s'il n'y a pas des princesses de la sérénité autour de... Oui, d'ailleurs, astuce, on utilise le cinétisme pour... Mais c'est parfait, il nous manquait une princesse de la sérénité. Vous savez quoi, on va directement s'améliorer et on va arrêter juste après. Enfin, vous, ça va arrêter parce que moi, je vais tourner un autre épisode juste après. Han. Coucou, je suis de retour. Je suis heureuse de te revoir, veux-tu que je renforce tes vêtements? Actuellement, je peux rendre tes vêtements un peu résistants. Ouais, c'est toujours le même dialogue, quoi. Allez, on augmente la tunique de prodige avec tes princesses de la sérénité. Hop, elle nous souffle dessus, on s'en fout de la cinématique. Je vais également prendre des amiibo pour le prochain épisode. Je penserai à les changer pendant que je sauvegarde sur le disque dur. Voilà, j'ai terminé, ce vêtement est un peu plus résistant. Il acquiert des pouvoirs spéciaux, ok. Je devrais renforcer tes autres vêtements, mais bon, allez, salut. Allez, hop.
Donc écoutez, on a terminé d'améliorer de vêtements, on a terminé l'épisode en général. Vous pouvez voir qu'on a quand même débloqué une autre partie de la carte d'Hyrule. Il nous reste quand même pas mal à découvrir. Et vous inquiétez pas qu'on le fera. J'ai vraiment hâte de pouvoir continuer sur le let's play. J'espère que vous aussi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Pensez à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça m'encouragerait à sortir plus de vidéos. Rappelez-vous également le défi des pouces bleus. 2 likes égale un amiibo, 20 likes, on fait tous les amiibo. Donc voilà, s'il y a... Quoique le prochain épisode, je ferai 4 amiibo. Juste 4 amiibo comme ça. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gens, c'était Calibo, à la prochaine. Ciao tout le monde.